je dis, Mamadou Ndala, je parle de ces grands héros que je salue, père ton âme colonel, que je parle de la fille allemande qui a lâché sa nationalité allemande pour venir participer aux Jeux Olympiques, pour redorer l'image de la République Est-ce qu'il démocratique. faut s'en être fier? Il faut savoir quel était Bon. le. C'est un problème d'intérêt ou bien de. Non, mais est-ce que je peux rebondir là-dessus, si on me permettrait donc, Allez-y, Aimé? rapidement qu'on termine, s'il vous plaît. Ouais, je voulais dire ceci. Je ne pense pas qu'on peut terminer ces problèmes avec des exemples, puisqu'il y a toujours des exemples contraires. Nous avons remarqué que nous avons des généraux dans l'armée congolaise et qui se sont retirés pour aller dans le camp adverse. Et ça, ce n'est pas un bon exemple à donner. Et ça, on ne peut pas invoquer la loi Tchani. C'est correct que les gens qui sont chez nous, grandis chez nous, à qui on a donné la vie, ils ont étudié comme les Roubaix et les autres. Et quand il s'agit de l'intérêt national de notre pays, ils vont aller à l'encontre de ce que nous sommes en train, à l'encontre des intérêts du pays. C'est ce que nous avons remarqué ces derniers temps. Tous les généraux nommés par M. Kabila, ils se sont retrouvés dans notre camp pour tuer le peuple congolais. Donc, on ne peut pas vraiment régler ces problèmes en donnant des exemples, puisque nous avons beaucoup d'exemples contraires à ceux que vous venez de donner. Merci de nous accepter chez vous dans notre émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec deux avocats. Ces derniers vont nous donner de la matière à propos de la matière qui fait couler d'encre et de salive à Kinshasa. Donc, notre thème principal de cette émission est Quid de la loi Tchani, protection de la souveraineté ou une loi discriminatoire. Et comme sous-thème, nous en avons deux. Nous allons parler de la guerre dans l'Est de la RDC, à quel jeu joue l'AEC et de la préparation des élections pendant ce temps de 2023. Est-ce ces élections être un serpent de mer? Comme invité, Maître Michel Lonkamba, qui est avocat au barreau de Nîmes en France, et Maître Léonard Poyi, fonctionnaire à Oslo, en Norvège. Tous deux sont des habitués de la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, Makolo Digital Radio-Télévision. La présentation et la rédaction est de votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Conception et réalisation, Makolo Digital Radio-Télévision, la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Au moment où nous parlons, cette émission passe en direct sur la radio de la VDC et la rediffusion pour la télévision sera sur www.lavdc.net et aussi sur notre YouTube. Bonjour, Monsieur Léonard Mpoui. Bonjour, monsieur Don Kayembe. Merci de vous revoir sur notre plateau. Ça fait plaisir. Bonjour, monsieur, bien maître Lonkamba Michel. Monsieur Don Kayembe, bonjour. Monsieur Léon Pouy, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, le premier point, chers invités, nous allons parler d'abord des élections. Élections en décembre 2023. Donc, j'ai fait une introduction et nous faisons le développement. Sur le principal enseignement de cette première note thématique du sondage réalisé en mi-janvier par le Bureau d'études, de recherche et de consulting international, Bercy, avec Ebouloti, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, et le groupe d'études sur le Congo, GIEC, de l'Université de New York, intitulé présidentiel 2023. L'abstention pourrait atteindre un taux record. Ceci a été publié le jeudi 16 février, qui relève que, à 11 mois des élections prévues fin 2023, près de 54% des sondés pourraient ne pas aller voter leur prochain président de la République démocratique du Congo. Le premier scrutin sous Félix Tshisekedi risque d'enregistrer une forte abstention. Celle-ci pourrait également lui être favorable. Note ces chercheurs. Votre point de vue, Maître Michel.
Merci beaucoup, monsieur Kaimé, pour la question. Est-ce vers une abstention massive que nous dirigeons pour les prochaines élections? À mon humble avis, je pense que c'est le cas. C'est le cas parce que le peuple s'abstient à aller vers les élections suite à une déception. Déception qui découle des promesses de campagne et déception sur les mesures réalisées pendant le mandature. Donc, je pense que le peuple ne se retrouve pas sur la réalisation du président Tshisekedi pendant son mandat. Entre autres, la guerre qui ressurgit à l'est du pays. Les peuples se posent alors la question, est-ce utile? Y a-t-il une démocratie réelle au Congo? Ce sont ces deux points que je pense feront que le peuple est las de vouloir continuer ces jeux démocratiques et ils se diront, nous n'irons pas voter parce que quoi que l'on fasse, ceux pour qui donnons nos suffrages ne s'intéressent pas à nous par la suite, ne s'intéressent pas à nous sécuritairement. Au point où, je vais dire, le Nord qui vous est agressé ou bien est occupé, c'est selon. Sur le plan social, rien ne répond. Sur le plan sécuritaire, social, sanitaire et autres, rien ne répond. Des peuples, hélas. Est-ce favorable au président Tshisekedi ou au gouvernement central? Bien évidemment, c'est favorable parce que c'est un jeu de vase communicant. Vous voyez? Quand les anti ne votent, ceux qui ne sont pas pour le gouvernement ne votent pas. Bien évidemment, ceux qui sont pour le gouvernement votent. Et par ces jeux démocratiques, puisque il y a ceux qui ne votent pas, ceux qui votent feront bien évidemment le jeu du pouvoir en place. Je crois que, à mon humble avis, c'est ce qui va se passer d'ici 2023 si les élections sont organisées. Ok, merci Maître Michel. Maître Léo. Oui, moi je pense que l'abstention telle que fait dans les sondages ne peut pas être une cause d'annulation des élections. Mais comme Maître vient de le dire, c'est peut-être à cause de citoyens congolais qui a constaté que à quoi ça donne les élections, si et seulement si. Depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, le peuple remarque qu'il y a toujours la même chose, qu'il y a la continuité de la misère, la continuité de la pauvreté qui s'installe dans la vie sociale des gens. Et en plus, ceux qui sont au pouvoir, c'est toujours la répétition de mêmes noms, de mêmes personnes qui reviennent. Alors le peuple a le droit de se poser la question de savoir pourquoi nous allons voter s'il n'y a pas un changement. Un changement sur le plan des institutions, un changement sur le plan social, un changement dans la vie quotidienne de la population. Et puis de deux, on ne voit même pas pourquoi on doit insister sur les élections au moment où nos frères qui sont à l'Est sont dans la guerre et ils meurent chaque jour ici. Nous ne voyons pas l'intérêt pour lesquels nous allons partir aller voter. Et surtout, actuellement parler des élections, moi je crois que c'est l'injure, l'insulte à l'égard de la partie de l'Est du Congo qui est en conflit, qui est en guerre actuellement. Puisque, à moins qu'il n'y a pas de gens qui raisonnent sur le terrain, et conformément à la Constitution même, et si ils ont déclaré l'état de siège, cela veut dire que l'armée empêche, nous ne sommes pas dans un état normal. Nous sommes dans un état de siège et que l'armée empêche. Il y a des obligations, il y a des conditions qui sont données dans l'état de siège. Ça empêcherait également le peuple congolais d'aller voter. Bon, je ne vois pas pourquoi notre Parlement n'a pas eu à penser là-dessus pour que cette année, les élections ne peuvent pas avoir lieu au moment où une partie de l'Est est empêchée de participer à ces élections. Ok, vous êtes allé un peu plus vite en besogne, Qu'est-ce que je constate?
Le problème est que vous avez tous deux évoqué certains points qui risquent de tourner, donc faire les repédalages. Donc vous dites que l'Est est en proie de guerre, on ne peut pas aller aux élections. Et puis vous dites que le peuple, hélas, donc les promesses non tenues aux élections font que eux, ils sont vraiment découragés, ils ne veulent pas aller là-bas. En démocratie, et vous le savez bien que moi, que ne pas voter, c'est voter. Puisque vous donnez l'avantage, comme Maître Michel a dit, vous donnez l'avantage à celui qui va sensibiliser ses partisans de voter. Est-ce que, Maître Léo, je reviens sur vous, est-ce que quand vous dites ne pas aller aux élections à cause de la situation de l'Est, ce n'est pas encourager les glissements que l'opposition est en train de décrire? Mais l'opposition, si l'opposition est patriotique, je crois que l'opposition, ces moments présents, l'opposition devrait en principe s'unir pour pouvoir terminer la guerre d'abord. Puisque l'opposition représente quoi? Vous ne pouvez pas accepter d'aller au pouvoir puisque vous demandez au peuple de pouvoir vous élire. Vous représentez ce peuple, mais lorsque ce peuple est meurtri, lorsque ce peuple est dans la guerre, ils tombent chaque jour ici. Mais quel est ce peuple que vous allez représenter? Pourquoi vous allez demander à ce peuple de pouvoir vous voter quand vous êtes incapable de pouvoir terminer la guerre? Mais ça a Donc, été fait en de ce fait, 2018. ceci dit, je pense qu'ils doivent quand même réfléchir et se remettre en cause, dire que nous avons échoué, là où nous avons échoué, nous pouvons nous unir et pour le moment nous concentrer sur la guerre, en terminer et puis en plus. On fera autre chose. Ce n'est pas l'opposition qui peut déterminer les conditions de la guerre, mais plutôt l'opposition demande, le voit du peuple congolais qui est meurtri d'ailleurs. Je crois que si l'opposition est patriote, cette opposition devrait en tenir compte et demander même au gouvernement de pouvoir annuler les élections, s'unir pour en terminer avec la guerre. C'est ça ce qui montre l'amour du pays. C'est ça ce Oui, qui montre l'amour de la je nation. ne Et pour revenir à ce que Maître peux a dit pas Un instant, M. Michel, laissez pour revenir sur ce que Maître a dit récemment, et ce que vous avez également Donc, pas aimé, si vous me parlé permettez. dans votre Oui, un introduction, instant, Michel. vous avez Michel, dit un instant, s'il vous plaît. l'abstention Écrivez, vous l'avez. donnera toujours l'opportunité à Monsieur Félix de pouvoir continuer avec le pouvoir, puisque ça va les profiter, bien sûr. Il n'y aura que ceux qui sont pour Félix qui vont aller le voter. Donc, pour éviter que cela puisse se reproduire, moi, je pense que l'opposition, si cette opposition, si elle existe, hein, elle doit être patriote pour demander à ce que on s'unit pour finir avec la guerre. OK. C'est mon point de vue. OK. Maître Michel, à vous la parole. Non, moi, je voulais simplement dire que le thème sur lequel nous étions en train d'aborder, c'était de savoir si les élections, sur les élections, si c'était les élections, l'abstention était un gain pour M. Tshisekedi Correct. Le résultat faussé des élections. Nous étions sur ces thèmes-là. Nous n'étions pas encore sur le thème de la sécurisation de la partie est du pays. Non, on Donc, y je voulais. reviendra avec une question un peu différente. C'est pourquoi je laisse parler, puisque la Oui, situation mais de l'Est sera autre chose. l'abstention, ce n'est que le sondage. L'abstention, ça existe partout. Il y a toujours l'abstention. Ce n'est pas vraiment un cas nouveau pour la démocratie congolaise. L'abstention, le peuple est libre de pouvoir voter ou de ne pas voter. C'est son choix et ça profitera toujours à celui qui est au pouvoir en principe, puisque c'est lui qui sera capable de pouvoir mobiliser les siens afin qu'il puisse passer ou qu'il y ait des glissements tels que vous l'entendez par l'abstention. Mais ce que Certes, nous pouvons nous interroger également, cela ne peut pas nous empêcher de nous interroger sur pourquoi l'abstention. cher confrère, OK, allez-y, vous allez-y, savez, Michel. dans une démocratie, si vous voulez profiter de l'abstention pour que vous puissiez vous dire ils ne sont pas partis voter alors qu'ils y avaient droit et que ceux qui sont partis voter
on nous a donné la majorité, cela relativise les choses. Si l'abstention est à 70%, par exemple 70%, et que ceux qui sont partis voter sont de 30%, alors se pose un autre problème. Les problèmes de la légitimité. Vous comprenez, confrère? Est-ce que la loi électorale est éloquente sur ce point ou bien la loi électorale est silencieuse à ces sujets-là pour le nombre d'abstentions? Que la loi électorale soit éloquente ou silencieuse sur ce point-là, les problèmes se ressentent dans le quotidien du peuple, dans les quotidiens des institutions. Je vous donne un exemple. À l'époque de la démocratisation de notre pays, le maréchal se disait légitime parce qu'il avait l'impérium. Mais en fait, il n'avait pas la légitimité parce que le peuple l'avait vomi. C'est pourquoi il y avait des marches à gauche, à droite, des contestations. Ce qui est démocratique. Ce qui est démocratique, certes, mais la légitimité du pouvoir. Parce que vous savez, le pouvoir, c'est quelque chose qui se transmet de la capitale vers les plus petites zones ou communes de... Ça se transmet de façon transversale. Si la légitimité n'y est plus, le pouvoir ne se fait plus de façon transversale. C'est ça qui va se poser. Donc, si vous voulez être élu, la légitimité ne se pose pas lorsqu'une personne est issue de la population. Qu'il soit 20% ou 1%, la légitimité ne se pose pas puisqu'il a été voté par le peuple. Et deuxièmement, puisque vous êtes en France, Maître Michel, vous pouvez me dire combien de pourcentage, combien le Français se sont abstenus dans les élections passées. Ceux qui se sont abstenus, c'est... Il y avait plus de 50%. Cela n'a pas empêché, enfin, que le président de la République française soit élu et qu'il soit légitime. C'était 40% du peuple français qui n'était pas parti au vote. Les 60 autres pourcents sont partis au vote, ce qui fait que la majorité a voté. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu question de légitimité. Comprenez? Mais si nous voulons, je ne veux pas m'attarder sur ces débats-là parce qu'il y a d'autres débats qui nous attendent, mais si nous voulons que les institutions qui proviendront des élections de 2023, s'il n'y a pas glissement, soient des élections qui soient réellement démocratiques et qui soient réellement des institutions qui soient réellement représentatives du peuple congolais. Mais si les gens ne veulent pas y aller, Si les gens ne veulent pas voter, ce n'est pas un problème de légitimité, maître. Moi, je crois que la légitimité se pose au moment où il y a une personne qui est issue des urnes et qu'il n'a pas été voté. Mais lorsqu'il y a une abstention, cela ne peut pas empêcher la légitimité, puisque la légitimité, c'est le peuple qui le détermine en ce qui concerne. Si une personne est issue des urnes et qu'il a eu la majorité de ceux qui ont voté, je crois que le problème de légitimité ne se pose pas. Okay, Léo, le peuple n'est que à Maître Michel de son idée aussi. Son choix. Ok, il aura l'impérium ou la légalité de pouvoir diriger le peuple parce qu'un peuple l'a élu. Ce n'est pas un problème parce que les autres ne l'ont pas élu. Mais les problèmes qui se posent là, c'est le problème de la légalité et de la légitimité. Aura-t-il la légitimité de pouvoir diriger ce peuple? Non. Et sera-t-il légal? Parce qu'il prêtera serment. Il sera l'élu. Ça, on n'en discutera pas. Mais le souci, c'est que sera-t-il capable de diriger un peuple dont le peuple qui ne se reconnaîtront pas en lui? C'est ça le problème. Je reviendrai également là-dessus. Juste un petit ajustement, c'est la question qui vous a été posée récemment par M. Ndro Kayembe. Est-ce qu'il y a le problème, puisque vous-même vous parlez de la légalité, c'est la loi qui règle les modalités et les procédures pour les élections. Et aussi longtemps que la loi n'empêche pas ou la loi n'interdit pas les élections
Euh, Le après avoir comptage, fait le sondage, en puisque termes de là, pourcentage. on n'est que dans le sondage. Le sondage, c'est un calcul des probabilités et que la loi ne peut pas empêcher, enfin, puisqu'on a fait les sondages, puisque telle maison a fait les sondages, qu'il y a 30% ou 20% de vote, et à ce moment-là, on peut empêcher ou bien annuler les élections. Mais si la loi n'interdit pas, je crois bien sûr que le problème de la légitimité ne se posera pas. Et qu'il ait voté par 30%, 40%, j'ose croire qu'il a la légitimité et il a également la légalité. Donc nous sommes puisque c'est la légalité ou la loi qui détermine les modalités et les procédures pour les élections. OK, pour vider ce point-là, Maître Michel, dernier mot sur ce point. Pour vider ce point-là, je dirais que le pouvoir en place puisse mettre tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas ce taux de record d'abstention qui se profile, afin qu'il y ait la légitimité et la légalité qui puissent se marier pour que le pays puisse avancer de l'avant. Ça, c'est mon petit point de vue. Oui, mais on ne peut pas aller forcer les gens de leur maison pour aller voter selon les éléments que vous avez donnés. Alors, deuxième question sur le même point. Peut-on nous attendre encore une fois de plus comme en 2006-2011 à la pléthore de candidatures où ils se fieront aux plateformes électorales comme c'est le cas de l'Union Sacrée qui vient de s'organiser incessamment en plateforme électorale. Et la semaine qui s'achève, nous avons suivi aussi Moïse Katumbi qui a réuni autour de lui Martin Fayoulou, Délice Sanga, Augustin Matata Mponyo pour éventuellement faire aussi une plateforme électorale. Et je ne sais pas si vous avez suivi quelqu'un qui s'est retranché en solo, c'est-à-dire Mouzito. Il a dit que lui, il ne se rallie ni aux uns ni aux autres. Lui et son parti, ils vont prendre part à toutes les élections. Alors, ma question de savoir, laquelle de deux options est plausible? Est-ce que c'est les gens aller en solo, chaque parti politique se représente, ou bien nous allons assister à des plateformes électorales? Nous commençons avec Maître Michel. Bon, ça, ce n'est que l'analyse que je donne personnelle et je pense que ça rejoindra la majorité de citoyens. Pour moi, la multiplication de candidatures joue toujours en faveur du pouvoir en place. Nous en avons vu à l'époque de Joseph Kabila. Et là, il a multiplié de petits candidats, de Ndabo Mbolé à gauche, à droite, de petits sous-fifres comme ça, à gauche, à droite, pour pouvoir fragiliser la vraie opposition des Kingu Wa Dondo, des Adam Bombolé. Nous avons vu que la dynamique, par exemple, de Genève, je ne veux pas revenir sur la contestation de M. Fayoulou sur Les élections. les élections, je ne veux pas revenir là-dessus, mais la dynamique qui s'est créée à Genève nous a démontré facilement que quand le peuple s'unit, et cela confirme l'adage, l'union fait la force. Moins de candidats présidentiables donnent la force au peuple, donnent l'équilibre de choses. Mais la multiplication des candidats, je pense que cela dessert la cause même que l'on est en train de servir. Mouzito, je me pose juste la question, en tant que compatriote, je lui poserai cette question-là. Mouzito, êtes-vous réellement patriote? Parce que Mouzito, si vous me le permettez, j'extrapole un peu la question. Mouzito n'a jamais été dans l'opposition. Qui il est? Il a servi Gizenga. Gizenga représentait quoi? Il a servi C'était la comme coterie, premier là. ministre du Kabila. C'était la Pardon? coterie. C'était la coterie à ce moment-là. C'est la coterie qui continue. Mais Mouzito représente quoi? Mouzito n'aura même pas 0,2% de surface. C'est pour juste permettre au pouvoir en place de pouvoir se restructurer pour pouvoir avoir une majorité par la suite. Donc pour moi, pour en finir et pour me résumer, je dirais que l'union fait la force, moins des candidats permet au pays d'avoir un jeu réellement démocratique, que plusieurs candidats qui permet de fragiliser les forces en place et faire douter même des élections qui s'en suivront. Je m'en excuse si j'ai trop débordé. Non, non, c'est OK. Maître Léon Poy.
Oui, je crois que maître, je pensais qu'il allait faire la jonction d'analyse là-dessus pour quand il a parlé de la légitimité, puisque je regrette également d'une part et d'autre part de gouvernement qui est en place aujourd'hui, qui n'a pas revu la loi qui a été tripotée par M. Kabila avant de faire les élections à suffrage universel à un seul tour. Et c'est là où se pose le problème également, puisque s'il y aura beaucoup de gens qui se présentent aux élections, nous, on aura un président, si on peut s'en tenir, comme je parlais également de la jonction d'analyse, on aura toujours un président qui est minoritaire. C'est tel que la loi l'a conçu au Congo, puisqu'on part à un seul tour. Et puis, deuxièmement, pour revenir à la question, l'union fait la force. L'opposition, tantôt, il se démène pour avoir un candidat unique. Ça a été toujours très difficile en ce qui concerne les Congolais, puisque tout le monde veut faire la politique, tout le monde veut être président de la République, même s'il n'a pas un projet quelconque. Vous l'avez vu, ce n'est pas à moi de pouvoir vous décrire cela. Et ce que nous avons constaté actuellement, je crois que vous avez parlé de l'Union sacrée qui était hier FCC, toutes les sortes de coteries, comme vous l'avez qualifié, qui, toutes les associations non lucratives, toutes les organisations sont derrière le pouvoir en place, peut-être puisque à cause de l'argent. Et le peuple congolais, les citoyens congolais se retrouvent dans ces associations, se retrouvent, se reconnaissent dans des partis politiques qui sont vraiment multipliés au Congo, qui sont d'une part l'Union sacrée et d'autre part l'opposition qui tente à s'organiser pour faire une plateforme. Bon, si on parle maintenant de la légitimité telle que Maître l'a provoquée, puisque c'est un sujet très important, quand on va élire quelqu'un qui a été désigné par un groupe de gens, qui conditionne le voix, qui conditionne la pensée du peuple congolais. Donc, il les désoriente, puisque moi, je peux être pour l'opposition. Et maintenant, l'opposition, en se réunissant, ils vont choisir, par exemple, disons, Katumbi. Et que je ne me retrouve pas dans les idées de Katumbi, que je ne me retrouve pas. Je veux voter l'opposition puisque je veux un changement. Ce bonhomme ne sera pas populaire ou légitime, tel qu'on le dit. Mon frère, je ne Bon, vous suis pour pas, moi, je ne vous suis pas, je ne je vous suis pense que pas, c'est un exemple que j'ai donné. Je crois que ça ne peut pas créer la démégeance, maître. J'ai donné seulement un exemple. On peut élire, on peut choisir qui que ce soit, même Fayulu, alors que moi, je suis un membre de l'ensemble pour la République. Moi, je serai obligé de changer mes pensées pour élire Fayulu, que je ne partage pas peut-être mon point de vue. C'est un exemple que je donne. Alors, c'était juste pour faire une jonction d'analyse en ce qui concerne la légitimité. Maintenant, pour répondre à la question qui m'a été posée, de savoir si c'est la plateforme ou c'est le candidat personnel, mais Mouzito, mais il peut se présenter en candidat, il est libre. Moi, je crois que c'est la démocratie. Qu'il y fasse par la plateforme, c'est la démocratie. Mais tout celui qui se voit capable de pouvoir se présenter peut se présenter. Hein, ça ne veut rien dire. Hein. Moi, je crois que c'est la voie, c'est la démocratie. Je suis content que cela puisse être fait dans ce sens. c'est ça. Alors, Maître Michel, je voudrais. Permettez-moi, monsieur KM, pour en finir, vous savez, donnez-moi juste une minute. Vous savez, quoique dans la démocratie, chacun est libre de pouvoir vouloir se présenter au suffrage de ses concitoyens, cela n'est pas nécessaire. Monsieur Mouzito, c'est pour répondre par rapport à monsieur Mouzito. Je vais vous donner un exemple. Le président François Hollande était le président élu. Il avait la légitimité. Mais devant comment je vais dire, devant les querelles de son camp, il s'est dit, je ne me présente pas parce que ça fragilise.
Comprenez, même quelqu'un qui était élu s'est retiré pour ne pas fragiliser son camp, pour pouvoir donner la chance à son camp. Alors moi, je me pose la question, quelles sont les chances qu'a M. Mouzito de pouvoir se présenter? Il n'y en a pas. Et pourquoi il se présente? Il ne se présente que pour faire le jeu du pouvoir. Voilà, c'est ça. Ok, Ah non, mais ce sont droits. Maître, ce sont droits le plus légitime. Ce sont droits. vous savez, mon cher confrère, les droits peuvent être là, mais vous savez, qu'est-ce qu'on dit? Ce sont les écritures que je voyais fleurir nos universités. En latin, je ne sais pas, Monsieur Kaïb nous le complétera. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Même quand on a les droits, on n'a pas. On doit avoir tout de même une conscience pour pouvoir réfléchir et se dire ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bon. Ça, c'est Rabelais qui nous l'a dit. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'on a un droit qu'on doit en jouir. Sinon, écoutez-moi, monsieur, j'ai le droit de boire l'alcool. Mais je sais que ma conscience me dit, boire peut tuer, boire peut détruire ma santé. C'est ça la Vous voyez, quand liberté. je. Donc, quand je. C'est ça la réflexion qui part Non, au-delà c'est du la droit. liberté. C'est ça la liberté, Ce maître. n'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose qu'on doit le faire. Mouzito doit comprendre. Mouzito est tout le pion qu'on va jouer par la suite. Parce que je sais que un sieur du nom de Tchiani se présentera. Un sieur du nom de ceux qui ont fait de moins de 0%. J'oublie son nom, les garçons-là. Les garçons qui le permettent. Ce sont Maître Michel, se je veux... présenteront. Maître Michel, vous êtes en Maître train Michel, de faire une analyse comme pour étant un qu'on partisan. finalise. Moi, je crois sur le plan scientifique, tout un chacun de nous est libre de Nous sommes pouvoir des se qui, présenter. confrères, partisans On des ne qui? sait Non, 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 pas. confrère, je ne vous laisserai pas passer là-dessus. Partisans des qui? Non, quand on parle que Je ne c'est vous pour laisserai étouffer celui-là, pour étouffer l'autre. pas. Non, moi, je pense que nous sommes en Partisans train des de qui? faire l'analyse sur le plan démocratique. La démocratie permet à tout un chacun de nous de se présenter. Maintenant, au deuxième point de notre interview du jour. Donc, nous parlons de la guerre dans l'Est de la RDC. La force est-africaine qui comprend les soldats kényans, burundais, ougandais et sud-soudanais est déployée en plus de celle des Nations Unies, la MONUSCO. Son mandat a été perçu localement, c'est-à-dire par les habitants ou les Congolais en général, dans un premier temps comme offensif. La mission des forces est-africaines devait être une mission offensive. Mais les pays contributeurs que j'ai cités ci-haut ont ensuite souligné qu'elles étaient une force neutre qui ne venait pas pour combattre les rebelles. Alors, point 1, cette guerre qui n'a que trop duré se produit dans les provinces du Turi et de Nord-Kivu qui bordent le Rwanda et l'Ouganda et qui est une région fertile et montagneuse longtemps pillée par les groupes rivaux. Comment peut-on accepter que l'Ouganda, partie prenante de cette guerre, soit elle-même partie prenante encore de chercher la solution? Devrions-nous prendre la surveillance de Bunagana laissée par le M23, laissée complètement dans les mains de l'Ouganda, eux-mêmes qui ont ouvert leurs barrières pour que le M23 nous attaque? De qui se moque-t-on, Léo? Ah, on se moque de celui qui a signé l'accord. On se moque de celui qui n'était pas en mesure de comprendre que nous sommes partis chercher le pays africain. Et le pays africain, en tenant compte des protocoles de la charte de l'Union africaine, il est dit qu'il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures d'un pays quelconque. On se moque de celui qui est parti engager le gens ou le pays de l'Est dans lequel le Rwanda se trouve alors qu'on a la guerre contre le Rwanda qui est également membre. Donc le membre d'une même association ne peuvent jamais se faire la guerre. C'est ça la naïveté d'un peuple congolais. C'est ça la naïveté d'un négociateur congolais qui est parti signer cet accord. On le regrette. On le regrette, puisque
Il faut être naïf pour aller signer un accord, chercher un ami pour qu'il devienne votre ami afin d'attaquer un membre d'une même association. Vraiment, même dans nos associations civiles, vous ne pouvez pas vous agresser quand même à un membre avec lequel vous vous trouvez dans une association. Mais moi, je regrette beaucoup que le Congo s'est lancé dans cette aventure qui est de mauvais goût. Malheureusement. Maître Michel. Bunagana n'a pas de frontières avec le Rwanda, mais les forces militaires ont tendance à se mouvoir. Ils peuvent entrer au Rwanda et se retrouver à Kinshasa. Dans un passé récent, on en a vu. Nous ne pouvons pas dire que, puisqu'ils n'ont pas, Bunagana n'a pas de frontières avec le Rwanda, que forcément, ils sont venus de l'Ouganda. C'était démontré. Merci. Faudrait que nous puissions rester sur le fait. En acceptant qu'il y ait une force neutre qui puisse intervenir sur le terrain, c'était au gouvernement congolais de pouvoir demander et dire, identifier les pays neutres qui pouvaient intervenir. C'est là où je déplore malheureusement la faiblesse de nos institutions et du gouvernement central plus précisément. Vous savez que l'Ouganda et le Rwanda sont des parties prenantes à cette guerre par rapport au M23. Mais vous ne tapez pas du poing sur la table pour pouvoir dire que sur cette force neutre, qu'il ne puisse pas y avoir de Rwandais et des Ougandais. Et c'est après que quand la population n'est pas d'accord, vous commencez à chercher à dire « oui, la population a raison ». Ça, c'est le manque de prévisibilité d'un gouvernement. Et c'est ça que nous condamnons. Donc, pour moi, l'Ouganda ne devrait pas y être, ça je suis tout à fait d'accord, tout comme le Rwanda n'y est pas, je suis tout à fait d'accord. On pouvait partir chercher les Congolais de Brazzaville, les Angolais, quand bien même ils ne soient pas dans l'EAC, pour pouvoir constituer cette force-là et pouvoir être une force tampon entre les belligérants. Nous allons entamer le dernier point puisque le temps file. Donc, le dernier point de notre débat du jour est la loi Tchani qu'on attribue abusivement des congolités. Comparaison à l'ivoirité par le média des mensonges en général. Alors, je voudrais vous donner un peu une idée sur ce qu'on appelle ivoirité pour dissiper tout malentendu avant de débattre le sujet. L'ivoirité originale, j'ai lu ça dans un livre d'un monsieur que je vais citer ici. L'ivoirité originelle prend son envol dans la sphère culturelle. Elle apparaissait comme un projet à construire que le politicien était invité à intégrer dans leur rêve de transformation de la société. Elle s'enracinait à l'origine ainsi dans le culturel et s'élançait vers le ciel de la politique, lieu des rêves et d'utopie par excellence. Le mot et l'idée naissent dans les années 1970. Pour être plus précis, nous disons que le mot ivoirité est apparu en 1974, créé par Pierre Nieva, parlant de l'œuvre et le projet d'un jeune intellectuel appelé Nyangoran Parke, Niavra en 1964, page 14. C'est à tort, par ignorance et peut-être par malveillance politicienne, qu'on fait remonter la naissance de l'ivoirité au président Henri Conan Bédier. Ce mot est né en réalité sous la plume de Pierre Nieva et dans la bouche de Nyangoran Poké. Selon son premier géniteur, l'ivoirité est ce que les Ivoiriens devraient apporter comme valeur spécifique à la reconstruction de l'unité africaine. Dans ces périodes d'effervescence culturelle, de marxisme, de panafricanisme ambiant, il pense que,
à côté de la négritude de Senghor, de la philosophie de l'authenticité de Mobutu Sese Seko, du high life ghanéen et des valeurs culturelles de Bembaye Jazz de la Guinée de Sékou Touré, il est normal que les Ivoiriens fassent exister des éléments propres à eux. Il ne conçoit pas que les Ivoiriens allaient à l'unité africaine avec les mains vides, dans une imitation servile des autres. Il faut avoir le temps de lire avant d'inventer inutilement des mots pour opposer les gens. Donc, c'est-à-dire, je viens de vous donner l'origine du mot « ivoirité » qui n'avait rien à faire avec la politique. Alors maintenant, revenons maintenant dans notre sujet du jour. De l'œil des juristes que vous êtes, parlez-nous, vous basant sur la constitution congolaise en cours, des tenants et des aboutissants de cette proposition de loi Tchiani, dont l'interprétation va dans tous les sens au pays. Je commence avec Maître Michel. Merci beaucoup, Monsieur Kaimbi. Quand j'entends votre analyse que vous venez de nous lire sur l'ivoirité, cela m'enchante parce que je trouvais, si je peux me résumer, que cette ivoirité-là, c'est une ivoirité qui donne une pierre à l'édifice de ce que devra être l'Union africaine, l'Afrique. C'est un plus. Ça, c'est sur le point culturel, mais malheureusement, les politiques ivoiriens, je dis bien les politiques ivoiriens, en ont détourné l'essence. C'est ce qui est dommageable. Le média de mensonge qu'on appelle le média international, qui ont utilisé ces mots, et maintenant les politiciens commencent à exploiter ça aussi de leur manière, puisque l'idée de l'essence du début n'était pas vraiment une idée politique de division. C'est ce que j'ai dit, mais le terme média de mensonge, je vous laisse la paternité de ça, je ne cautionne pas ça. Mais c'est ce que je disais. Mais maintenant, quand nous en arrivons à... On ne va pas s'en cacher, la loi Tchiani. Elle est abjecte. Elle me fait vomir. C'est un projet de loi nauséabond. C'est un projet de loi injuste. C'est un projet de loi. Je ne sais pas si un cerveau humain normalement constitué peut concevoir ce cerveau. Est-ce que vous pouvez vous rabattre sur la Constitution? On va arriver sur les considérations personnelles, sur Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit? Ce n'est pas une Constitution qui est en gestation. Qu'est-ce que la Constitution dit? Pour être candidat élu président de la République ou à d'autres fonctions, ou occuper des fonctions, ou d'autres fonctions de la République, il faut être congolais. Point barre. Et pourquoi créer des sous-congolais? Là, je rebondis. Je vous attends. Si vous me le permettrez. Je vous attends. Oui, je crois que la loi Tchiani, en ce qui concerne, puisque là je vais revenir, et puis il y a des volets. Bon, deuxième partie, là où je ne suis pas d'accord, peut-être puisqu'il l'a composé en tant que non-juriste, qui ne comprenait pas le mécanisme de le proposer sur le pouvoir régalien. Mais sinon, cette loi-là, elle existe déjà dans la Constitution congolaise. Il s'y est mal pris avec la précision, puisque en ce qui concerne la Constitution congolaise, elle est tellement claire qu'elle n'a jamais été appliquée. Nous sommes dans l'applicabilité de la loi. Si vous me permettez, je suis devant moi avec une constitution congolaise dans son article 72 et je me permettrai également de vous donner la différence pour vous permettre de comprendre l'idée de base de notre législateur. Si vous êtes avec votre constitution, vous allez dans l'article 72 de la Constitution congolaise. Il est dit ceci.
Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Puisqu'il s'agit de ça, je m'arrêterai là-bas comme étant une condition qui nous intéresse, puisqu'il y en a 4. Être âgé de 30 ans au moins, jouir la plénitude des droits civils et politiques et ne pas trouver dans un de ces cas d'exclusion prévue par la loi électorale. Alors, si il faut revenir sur 1, l'année bien sûr, posséder la nationalité congolaise d'origine. Et là, le législateur nous permet également de définir la nationalité congolaise comme étant l'appartenance de citoyens congolais au territoire congolais, l'appartenance de celui qui est né de père et de mère, qui a des tribus des territoires congolais. Je vais me permettre également de lire dans l'article 10, là où le législateur le définit. Alors, pour vous donner, vous permettre également de comprendre, puisque je suis toujours dans la jonction d'analyse, de réflexion, pour vous amener maintenant à l'article 103. On était dans l'article 10. Je vais le lire. Permettez-moi. Ayez un peu la patience. Alors, qu'est-ce que l'article 102 dit? Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Être congolais, c'est ça ce qui nous intéresse. Alors, également pour les sénateurs, on dit être congolais dans l'article 106. Le législateur a fait allusion à ce que notre ami Tchani a eu à développer aujourd'hui, puisque quand il parle des Congolais d'origine, et les Congolais tout court, il y a une différence. Et cette différence qui est dans l'intention, dans l'idée, dans la pensée du législateur, dans la peau du législateur, veut dire que le Congolais d'origine, c'est de père et de mère, qui peut postuler dans la présidence ou dans la magistrature suprême de notre pays. Voilà ce que nous sommes en train de nous intéresser pour savoir pourquoi. Et la Cour constitutionnelle qui est habilitée à pouvoir interpréter l'idée principale de la Constitution va également s'adapter. Je ne pense pas que cette loi peut passer. Maintenant, pour revenir à ce que Tchani a ajouté sur le pouvoir régalien. Donc, ça ne demande, dans le projet de loi, on ne pense pas comme un enfant à l'école primaire. On doit penser ce que le législateur pense, la loi pense déjà et prévoit tout. Puisque le président de la République, il est élu comme un Congolais d'origine. Et dans le pouvoir régalien, quand il le nomme, c'est-à-dire qu'il doit également faire allusion à ce que ce pouvoir régalien revient de droit aux Congolais, aux vrais Congolais. Donc, puisqu'il est dans ses pouvoirs de nomination. Donc, ça ne peut pas demander, enfin, que la loi détermine que le gouverneur, le banque et ceci doivent être d'autres personnes que le président de la République ne peut nommer. Donc, il est dans le pouvoir de nommer, dans la nomination de chef de l'État, et que ça ne pouvait pas empêcher le chef d'État de nommer les gens sur la compétence. Voilà pourquoi je dis que la loi Tchani n'a pas vraiment sa raison d'être, à moins que le législateur me contredit sur ce qui est écrit dans la Constitution, dans l'article 72. Il a bien déterminé les Congolais d'origine et les Congolais tout court. Ce qui veut dire toute personne qui peut avoir la nationalité par filiation, par présomption de la loi, un enfant retrouvé sur le sol congolais, puisque nous n'avons pas le droit de sol, nous n'avons que le droit du sang en ce qui concerne la nationalité d'origine. Et sur ce, j'ose croire que le problème est déjà tranché pour tout celui qui n'est pas congolais, si et seulement si il y aura l'applicabilité de la loi. Et je termine par là, je vous donne la parole pour me donner un peu la différence entre le Congolais d'origine et le Congolais tout court. Faites un peu l'économie de vos propos, confrères. Je vais vous poser une question.
Non, vous ne pouvez pas des questions, vous continuez. Non, je veux, merci beaucoup, merci de me recadrer. Pour vous, ayez Congolais d'origine, c'est lui qui n'a eu que ses souches par rapport à l'article 10, je pense, à l'exception de l'indépendance de tribus et de peuples qui étaient au Congo pendant cette période-là. C'est ça? C'est constitutionnel, oui. C'est Mais non, constitutionnel. ce n'est pas C'est constitutionnel. Je constitutionnel. vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je suis là. Un Français qui a son fils qui naît au Congo d'une mère d'un Français et d'une mère congolaise. Dès sa naissance, qui naît au Congo, est congolais. Par filiation. Voilà la Donc, différence, maître. d'origine, il est congolais Non, non, d'origine. non, 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 non. Maître, Mais mon voilà cher la ami, vous, différence. vous êtes congolais, vous êtes Est-ce congolais que de... Vous êtes je congolais peux de quoi? parler? Est-ce que Oui, je peux non, je parler? pose juste la question. Je pose la question. Vous êtes congolais Mais. par filiation. Vous n'êtes pas congolais d'origine. Parce qu'à l'origine à l'indépendance, vous n'y étiez pas. Non, 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 Les non. parents Là, étaient là. maintenant, vous avez raisonné comme. De Donc, l'exemple puisque que je la viens de donner, Constitution, là, son père maître, était là. Mon frère. maître. Je ne Mon frère. réponds pas à votre question, mais plutôt je réponds aux questions qui m'est posée par le journaliste qui nous a invités tous. Non, Mais non, je non, on vais peut échanger toujours. des idées, de la confrontation Oui, mais d'idées, je j'aime réponds. bien Je les lumières. réponds. De toute façon, je réponds. Nous sommes dans les sujets. Et le problème qui devait. Je vais répondre également si vous avez posé si je suis congolais d'origine ou pas. Je vais répondre là-dessus, puisque c'est que nous. La loi détermine, pour vous prouver le contraire de l'origine et le congolais tout court. La loi détermine que cet enfant dont tu as fait allusion d'un Français, d'une mère congolaise, à l'âge de 18 ans, la loi est ouverte et lui demande cet enfant-là qui a eu la nationalité congolaise par filiation, a les droits de choisir la nationalité soit de son père, soit de sa mère. Donc, vous allez comprendre qu'il y a la différence entre l'originalité et la Mon frère, copie. Mais non, mais il vous faut lire la restez, loi. vous, Il faut je lire la reste loi. dans la La loi. loi dit que cet enfant-là, Je même veux l'enfant rester retrouvé dans sur la la loi. terre congolais. Monsieur Aïe. KM, mais permettez-moi d'éclaircir un peu la lumière de mon confrère. Je Allez-y. vais vous dire, mon cher confrère, Maître Mpoui, est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et territoires constitués, ce qui est devenu le Congo. Appartenant, L'indépendance. À appartenant, l'indépendance. Appartenant appartenant, au est-ce groupe que le ethnique français, il dont. appartient dans quelle Attendez. tribu? Attendez, attendez. Je veux vous asséner un coup de massue pour que votre façon de raisonner là cesse de produire ses effets. Moi, je Je vais vous ne dire une chose. raisonne pas, je suis en train Oui. d'interpréter C'est un raisonnement, législateur congolais dans sa pensée. l'interprétation est un mode de raisonnement. Je vais vous dire ceci. Saviez-vous que les Belges ont eu à faire des transplantations d'autres peuples sur le territoire congolais avant l'indépendance? Mais cette loi dont tu parles, moi je parle de la Constitution. Ce Non, n'est pas les ce n'est Belges qui pas ont fait une cette loi. Constitution. Non, où vous êtes, vous ne voulez pas vous entendre. Non, mais Je on veux dit vous dire, ceci. Moi je vous. Non, 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 non. c'était à l'indépendance que l'on parle des tribus qui se trouvaient au jour de l'indépendance. Et c'est parmi ces Oui. tribus-là, il y Est-ce avait qu'il des y en a Tutsis. d'autres? Il y avait Est-ce des qu'il y en a Tutsis. d'autres maintenant? Il y avait des Tutsis. Vous le savez? Il y avait des Non, il y Tutsis qui a. étaient Non, transplantés. les Il Tutsis y avait des n'appartiennent à. Tutsis. Parmi Non. toutes les Non. ethnies. Non, 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 Pas, non. non, 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 maître. Est-ce que vous pouvez vous entendre? Donc, un parle. Maître, on peut s'entendre sur les ethnies et leurs noms. Est-ce qu'il y a les ethnies Tutsis sur notre territoire? Oui. Ah, mais non, non, là, je pense que vous êtes en train de faire Je le suis là. carrefour. Non, 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 non. Je vais vous dire ceci. L'histoire, Non, mais on les la change Tutsis, non, soyons quand pas. même, Léo, Léo. maître, Non, soyons structurés quand on non, parle. Léo, je m'excuse un peu. Oui. Laissez-le d'abord donner son idée. Maître, soyez un peu succinct aussi. Je serai Oui. sur ça. Je demanderai qu'il soit clair. Oui. Je serai sur ça. Oui. Nul n'ignore. Celui qui a élu Van Bilsen, personne ne l'ignore, que lors de la colonisation,
Moi, je n'appelle pas ça de la colonisation, lors de l'occupation militaire de la Belgique sur les territoires congolais et du Rwanda au Burundi, il y a eu ce qu'on appelait la transplantation de population. Et cette transplantation a fait que le colon, en fait, l'occupant militaire belge, a eu à prendre le surnombre de Tutsi, de Rwandais qui étaient au Rwanda, pour les transplanter vers le Congo, notamment sur le territoire de Kalemie, Uvira, et sur le littoral Très du bien. Congo de ce côté-là, de l'Est. Très Et bien. ces peuples-là, se sont retrouvés à l'indépendance automatiquement congolais. C'est là où je veux vous faire voir ceci. Oui, je vais Cette répondre. notion, c'est ce que j'allais vous dire. Il ne faut pas tomber dans votre propre piège. Cette notion a commencé après la guerre d'agression du RCD. C'est eux qui ont imposé à Saint-Tite la nationalité congolaise en 1960 et non en 1885 comme nos précédentes constitutions le prévoyaient. Nos précédentes constitutions le prévoyaient, disaient que était congolais tout le tribu et peuple qui, à l'état indépendant du Congo, se trouvait sur le territoire de la République aujourd'hui Congo, démocratique du Congo. Mais ce sont les Tutsis qui ont repoussé cette notion-là en 1960, parce que en 1885, ils n'y étaient pas. Vous comprenez? Et ils se sont retrouvés en 1960 sur le territoire congolais pour se revendiquer de cette nationalité-là. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est celui-ci. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. J'ai mon fils. J'en ai eu beaucoup. J'ai mon fils. Qui est né d'une mère, comment je vais dire, qui est né d'une mère américaine. J'ai donc, quand je suis parti le voir, je parle des mots tomates. Et sa mère n'est pas congolaise. Qu'est-ce que vous allez me dire? Que cet enfant-là n'est pas congolais, ne peut pas prétendre aux hautes fonctions de la République Non, démocratique du Congo? non, 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 Et sur il ne peut quoi? pas. Parce que Je reviens. Non, ce n'est pas. je suis des Vous ne pères et me. des mères congolais. Maître D'origine. Michel, ayez un peu la patience. Ce n'est pas à moi de vous dire le pourquoi. Moi, je suis en train d'interpréter, bon, puisque vous avez parlé de 1960, les législateurs a tendu également le piège à ceux qui se disaient le plus malin. On parle de l'appartenance aux tribus, ethnies et tous les territoires se trouvant sur notre pays. Donc, cela veut dire, même si ces bonhommes-là, les Tutsis dont tu as mentionné, même s'ils se trouvent sur notre territoire, hein, ils n'ont pas la qualité de la nationalité d'origine aussi longtemps qu'ils n'appartiennent pas aux tribus, ethnies et aux villages se trouvant sur le territoire congolais. Voilà la première dimension de Je continue avec législateur. vous. Je Non, continue avec deuxième. vous. Je continue Mais je suis en train, et puis avec deuxièmement, vous. il n'y a Je continue pas avec vous. une, Je vais vous dire la loi ceci. n'accorde Donc, je jamais donne un une exemple. nationalité Un monsieur. collective. Non, mais laisse-moi, je vous ai entendu lorsque vous avez parlé. Mais maintenant, laisse-moi quand même parler et m'expliquer là-dessus. Le législateur congolais a tendu également le piège Mais à à ces Tutsis l'indépendance, ils avaient qui se à croyaient l'indépendance, malins. ils avaient une Quand nationalité ils étaient politique. partis à À Sainte-Soutie. Laisse-moi d'abord l'indépendance, ils évoluer, avaient eu, maître. Donnez-moi une minute, je tout t'en le monde donnerai à 10. l'indépendance a eu la nationalité de façon collective. Ça a été annulé par la Cour de cassation, la période de Mobutu, en 1982. Je peux vous donner également la jurisprudence afin que vous ayez à consulter. L'annulation Mobutu Vos a été pères contredite et par la Cour mères. de cassation. Pendant la période du Zaïre, il y a une jurisprudence là-dessus. Il n'y a Votre aucune. père et mon Dans père, un comme pays du votre mère monde, et ma mère, ont eu la nationalité de façon collective à mais l'indépendance. maître, vous avez parlé, donne-moi une minute, je vous en donnerai le reste. Je disais ceci, je disais que le législateur est très clair là-dessus. Si vous parlez que ces gens se retrouvaient, pourquoi le Belge qui était devant nous, ils ne peuvent pas s'appeler également les Congolais? Si tu parles que des Tutsis qui ont été exploités ou qui ont été transportés par le Belge. Donc, ils ne se retrouvent pas dans la nationalité d'origine. Je vais Il pouvait se m'élargir réclamer. pour me faire comprendre.
Donc, la nationalité, d'ailleurs, ce qui pouvait nous intéresser, nous, de la diaspora, c'est l'irrévocabilité de la nationalité congolaise Pardonnez-moi ce que je d'origine. vous ai demandé. Mais maintenant, Non, je vais en finir. pardon, Léo. Je vous ai appelé ici pour donner des arguments sur base des textes du pays. Mais quand vous commencez à donner les idées seulement, ça viendra. Mais moi, je voudrais d'abord, sur ma question, c'était de Oui. me lire ce que dit la loi. Oui, mais c'est ça, je lis. Non, j'ai fait allusion à Maître Michel, parce que moi, j'aimerais que vous Oui. donniez des textes de la Constitution. Donc, nous savons que l'histoire existe, mais nous n'avons pas d'abord Actuellement, oui, la l'histoire n'est Constitution. rien Est-ce que. appartenant sur le Un territoire instant, congolais. un Est-ce instant. qu'il y a l'ethnie Tutsi sur notre territoire? Léo, un Est-ce instant. qu'il y a l'ethnie belge sur notre territoire? Non. Non, Léo, un instant. Moi, je voudrais que vous me dites quelque chose de très important. Oui. Entre un Congolais et un Congolais d'origine, c'est ça la nuance que nous voulons dégager ici pour que ceux-là qui nous suivent qu'ils puissent être éduqués. Voilà. Maître Michel. C'est ainsi que je marquais l'importance sur la loi, sur la loi. Pour devenir un président de la République, le législateur parle de Congolais d'origine. Et pour devenir je répondais à ceux dont tu as fait allusion, qui sont en train d'accuser Tchani de c'est une loi injuste, c'est discriminatoire. Il n'y a pas de discrimination, puisque cette loi existait. Et là où je suis d'accord avec lui, peut-être qu'il peut ajouter de père et de mère, mais ça ne me dit absolument rien, puisque l'illustrateur est très clair quand il parle de la nationalité d'origine, et même par définition de ce qui est nationalité d'origine, à moins qu'on interprète autrement. Je crois que les juristes ont d'habitude de pouvoir se couper les cheveux en six dans le sens de la longueur, mais l'interprétation se justifie également dans notre constitution. Quand on parle des Congolais tout court, c'est un Congolais par acquisition. On n'empêche pas, quand on veut devenir un parlementaire, on ne l'empêche pas, pendant ton pognon, de devenir un sénateur. Mais puisqu'il est Congolais, et il n'est tout court, il n'est pas Congolais d'origine. Mais la loi dit ceci: pour devenir un président de la République, il faut être un Congolais d'origine. C'est la différence qui est marquée par le législateur. Comment on peut m'expliquer ça autrement? Et le Congolais d'origine, c'est lui qui appartient aux tribus se trouvant sur le territoire congolais. Est-ce que la tribu belge se trouve sur le territoire congolais? Est-ce que les ethnies belges se trouvent sur le territoire congolais? Non! Ok, monsieur un peu, Mon frère, c'est très clair. donnez l'occasion maintenant à Maître Michel de parler. Il vous a religieusement suivi. Mon frère. Quand le législateur parle de la nationalité d'origine, c'est pour fixer par rapport à la question de l'indépendance. Mais après cela, nous ne pouvons pas prendre ces critères-là pour pouvoir catégoriser les Congolais. Les Congolais d'origine, les Congolais d'acquisition ou les Congolais de naturalisation ou les Congolais de filiation. Ça, c'est un raisonnement qui tend à faire un apartheid entre les Congolais. Nous sommes tous Congolais et nous avons cette qualité de Congolais, point barre. Comprenez, confrère? Nous ne pouvons pas dire que les Congolais d'origine ont plus de droits que les autres Congolais de filiation, de père ou d'acquisition par naturalisation. Je serais d'accord que l'on puisse me dire autre chose sur les Congolais par naturalisation que sur les Congolais qui sont nés de père et ou de mères congolais. Ils sont congolais à part entière, ils peuvent devenir et occuper tout le poste qui leur seront ouverts. Non, mais je pense que là, vous êtes en train de donner votre point de vue. Non, Or, non, 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 ah non, oui, mais si non, vous donnez non. votre point de vue, maître, Confrère. je vous ai posé la question, je ne pouvais poser pas la question, je ne suis pas dans mon droit. Mais je vous disais que le législateur est très clair là-dessus. Pourquoi? Puisque un Congolais d'origine, la loi ne peut pas prévoir comment on peut retirer cette nationalité. La différence en est que cette loi constitutionnelle prévoit
le voies et moyens, comment on peut retirer la nationalité de celui qu'on appelle les Congolais par acquisition, par présomption de la loi. On peut le retirer. Or, les Congolais d'origine, on ne le retire pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas le droit de l'État de pouvoir déterminer, de définir le Congolais d'origine. Ça, c'est un problème social, structurel. Donc, ce n'est pas le droit ou l'État congolais plutôt qui devrait déterminer la nationalité congolaise d'origine. OK. Ça n'entre pas dans le cadre de l'État congolais. Alors, si vous allez qualifier cette loi ou bien le pouvoir qu'il y a, l'illégalité, l'autre, les avantages différents, pourquoi aux États-Unis, si tu as mis au monde, même si vous êtes de même nationalité, Même si vous êtes américain, si l'enfant américain, n'est mais pas si né sur l'enfant le est sol, né en dehors, dehors des territoires américains, il ne peut pas accéder au pouvoir il ne comme peut pas accéder au pouvoir. Est-ce que vous avez parlé de la discrimination? Non. Vous n'avez pas parlé de la discrimination. Est-ce ça. que la loi C'est une congolaise discrimination. non, la loi congolaise Toute loi est sur... discriminatoire. Toute loi est, elle est faite là pour donner, cadrer les gens. Toute Les loi est cadres, oui, discriminatoire. effectivement, effectivement. Je vous donnerai un exemple également. Vous parlez de l'égalité. Vous et moi, nous sommes pauvres, nous ne pouvons pas réunir 100 000 dollars pour accéder à la magistrature suprême ou bien Ne pour parlez pas pour postuler. moi. Bon, Ne parlez pas pour moi. non, est-ce que les contraintes de la loi ne peuvent jamais être qualifiées de discriminatoires? Puisque si vous allez parler de discriminatoire, le 100 000 qu'on a imposé, c'est discriminatoire puisque ça ne nous permet pas de pouvoir postuler, puisqu'on n'avait pas, on n'a pas d'exécution de 100 000 dollars. Voilà pourquoi, quand on fait une loi, c'est juste pour encadrer une société. Et cette société est encadrée par la loi. Régler les conflits, réfléchir sur On peut avancer la... parce que nous avons maintenant dépassé le temps. Alors, je vais poser Oui. une dernière question. Et Maître Michel, vous rebondissez avant qu'on termine. L'on parle de l'opportunité de cette loi, surtout pendant cette année électorale qui est généralement l'année de trouble. Et cela, on ajoute que amener cette loi pendant cette période électorale, c'est ajouter de l'huile au feu. Votre analyse, Maître Michel. Monsieur Don, je me pose vraiment la question de l'opportunité de cette loi. Ça servira à quoi? À rien. Si, ça servira à quelque chose. À mettre la tension entre le peuple, entre les citoyens et entre les groupes. Ceux qui se revendiquent, ceux qui voient ça comme étant une loi écartant leur challengeur du pouvoir et d'autres qui voient cette loi comme étant une loi protégeant leur challengeur de rester au pouvoir. C'est ça le problème de cette loi. Mais je veux vous dire une chose. N'oublions pas que lors de le premier principe qu'a eu à voter l'Union africaine, l'OUA de l'époque, l'Union africaine aujourd'hui, c'était le problème de l'intangibilité de frontières héritées de la colonisation. De la colonisation. Mais vous savez, bien que, tant bien que moi, que ce principe a déjà été battu en brèche en Éthiopie, avec l'Érythrée qui s'est détachée, au Soudan, avec le Sud-Soudan qui s'est constitué en État. Ne pensez pas que ce qui se passe dans d'autres cieux peut se faire sous notre ciel, du fait de l'imbécilité de certaines personnes. Est-ce que vous Je pouvez vais vous vous dire, excuser pour ce terme-là? Nous sommes sur le plateau, s'il vous plaît. je retire, je ne m'excuse pas, mais je retire. Merci. Je dis simplement, merci, je dis simplement, du fait de l'incompréhension de certaines personnes, l'unité, la nation congolaise telle que nous a laissée il y a 26 ou 27 ans, l'unité de la nation congolaise, le maréchal Mobutu, est en train de s'effriter.
Dans sa constitution du temps de Mobutu, parlait des Congolais, pour être président de la République congolaise, de père et de mère. C'est ainsi qu'on posera la question à King dis que Ondondo. cette unité nationale est en train de... Un instant, Michel. C'est comme ça qu'on a posé la question à King Ondondo. Est-ce que vous allez devenir président? La constitution me l'empêche. Ne me le permet pas, me l'empêche. C'est ça. Donc, c'est puisque la constitution du Mobutu même, qui nous a donné l'intangibilité, donc l'unité du pays, parlait de père et de mère. Oui, si vous faites allusion, vous savez, des fois, la comparaison n'est pas raison. Ah, vous venez de le faire de l'intangibilité, maître. Puisque dans le YouTube, au sein du SCOM, comme vous l'avez dit, le droit d'injectabilité, vous avez donné le cas de l'Éthiopie. Et en donnant cela même comme exemple, je crois que vous avez sauté les droits des minorités, l'autodétermination des minorités. Donc, on ne peut pas dire que ça a été cassé en brèche, puisque le peuple a le droit de s'autodéterminer, enfin de choisir s'il peut être un pays ou pas. Ce n'est pas question de prendre les armes. Je crois que le peuple peut auto-déterminer. Je finissais mon propos. Je disais, l'unité nationale telle que nous l'avions connue, aujourd'hui battue en brèche, nous devons sauvegarder beaucoup plus l'unité nationale que d'autres principes. Qu'est-ce que ça importerait au Congo d'exclure d'autres citoyens à la magistrature suprême? Parce que si je creuse encore cette loi, il y a d'autres fonctions régaliennes qu'on est en train de réserver aux Congolais de père et de mère. Je vous donne juste l'exemple d'un héros. Je dis, Mamadou Ndala, je parle de ces grands héros que je salue, père ton âme colonel, que je parle de la fille allemande qui a lâché sa nationalité allemande pour venir participer aux Jeux Olympiques pour redorer l'image de la République démocratique. Il faut s'en être fier, il faut savoir quel était les... C'est un problème d'intérêt ou bien des... Non, mais est-ce que je peux rebondir là-dessus? Allez-y, si vous le permettrez, rapidement qu'on termine, s'il vous plaît. Oui, je voulais dire ceci. Je ne pense pas qu'on peut terminer ces problèmes avec des exemples, puisqu'il y a toujours des exemples contraires. Nous avons remarqué que nous avons des généraux dans l'armée congolaise et qui se sont retirés pour aller dans le camp adverse. Et ça, ce n'est pas un bon exemple à donner. Et ça, on ne peut pas invoquer la loi Tchani. C'est correct que les gens qui sont chez nous, grandis chez nous, à qui on a donné la vie, ils ont étudié comme les Roubert et les autres. Et quand il s'agit de l'intérêt national de notre pays, ils vont aller à l'encontre de ce que nous sommes en train à l'encontre des intérêts du pays. C'est ce que nous avons remarqué ces derniers temps. Tous les généraux nommés par M. Kabila, ils se sont retrouvés dans notre camp pour tuer le peuple congolais. Donc, on ne peut pas vraiment régler ces problèmes en donnant des exemples, puisque nous avons beaucoup d'exemples contraires à ce que vous venez de donner. Alors, ce que moi j'ai dit dans le droit, la proposition de loi Tchani, c'est, je crois que la proposition, il a essayé d'expliquer, et pour qu'on puisse mettre fin à cela, il faut qu'il y ait le gouverneur, le généraux et tous, même dans certaines institutions, président du Parlement. Moi, je pense pas, je ne vois pas cette loi dans ces contextes, puisque le président de la République, quand il est nommé à titre de Congolais d'origine, c'est à lui de pouvoir nommer. Et la loi, il ne peut pas aller, quand il entre dans la profondeur, dans cette dimension de déterminer le poste régalien tel qu'il l'a défini, je crois que cette loi peut être entachée. Et pour moi, le poste de la présidence de la République peut être d'un Congolais d'origine, mais c'est à celui-là qui a la responsabilité de pouvoir nommer les Congolais, mais que la loi ne détermine pas les conditions dans lesquelles puisqu'il a déjà le mandat en tant que représentant du peuple congolais. Et ceci dit, on ne peut pas déterminer par la loi
qu'il faut qu'il y ait un Congolais d'origine également dans des postes régaliens. Moi, je pense que déterminer ou suivre ce qui a été dit dans la Constitution, c'est beaucoup plus souple pour éviter la discrimination dans laquelle sa loi est plongée. Mais je suis parfaitement d'accord à déterminer s'il s'agit, puisque c'est moi, je, comme lui également, il a le problème d'interprétation de Congolais d'origine. Mais s'il faut bien le déterminer de père et de père, et de père et de mère, je suis totalement d'accord, afin qu'il n'y ait pas de confusion. OK, alors on doit terminer. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors nous terminons avec Léon Poy. Votre mot de la fin, brièvement là, s'il vous plaît. Le mot de la fin, s'il faut revenir encore sur la loi Tchani, je pense que elle est formidable. Elle présente les intérêts du peuple congolais et surtout pendant cette période de guerre. Et ce qui pouvait nous intéresser beaucoup plus en tant que les gens de la diaspora, c'est la loi sur l'irrévocabilité de cette loi, afin de permettre les Congolais d'origine qui sont dans la diaspora de pouvoir également briquer le poste au sein de au sein de nos institutions, ou de travailler ou de postuler également comme président de la République, car nous sommes des Congolais d'origine. Et en plus, il faut que les Congolais s'unissent, parlent d'une seule voix pour qu'on puisse en finir avec la guerre qui nous entoure. Et nous avons remarqué que nous ne pouvons pas faire le débat sur les étrangers qui veulent toujours s'accaparer de nos institutions. Car nous avons remarqué que malgré qu'ils ont tout, malgré qu'ils dominent nos institutions, ils se dégagent ou ils se voilent toujours du côté de l'ennemi. Et que en parlant, en faisant allusion à celui ou à un groupe déterminé qui combat cette loi, Katumbi n'a rien de congolais. Son père, il est grec, Cette juif. loi, est-ce que cette loi est faite contre Katumbi? Pourquoi on C'est parle lui qui en parle beaucoup plus et son groupe. La loi est impersonnelle, elle a ses contraintes, comme toute autre loi en principe, puisque s'il faut parler de discrimination, je crois que nous devrions, tout le peuple devrait se mettre debout pour dire que le 100 000 qu'on demande pour postuler la magistrature suprême, c'est trop, nous ne pouvons pas nous en avoir. C'est ça la discrimination dont on peut parler, mais lorsqu'on n'en parle pas, on parle à cause d'une personne qui n'est ni congolais de mère ni de père et qu'on ne peut même pas définir. Son père, il est grec, tantôt juif, tantôt italien, la femme, sa mère a été zambienne. Et sa femme est burundaise. Bon, en on quoi n'est il pas là, s'implique non, dans non, le problème écoutez, du on n'est pas Congo? là pour un Quel individu, on parle là. est son intérêt quel est son rôle dans notre pays? OK, Pourquoi il il a s'implique joué un grand dans rôle. les affaires Il a intérieures joué du un grand Congo? rôle du point de vue économique, là, il faut reconnaître. Ah Merci. oui, il peut faire les affaires, hein? La loi l'a laissé de pouvoir faire les affaires, mais OK, nous avons des merci partenaires beaucoup, Maître qui Mpoyi. viennent au Merci. Congo pour faire les affaires. OK, merci beaucoup. Alors, un mot de la fin, Maître Michel. J'aime toujours quand on parle de cette loi-là, même si on se cachait derrière son petit doigt, la réalité transparaît. On ne veut pas s'en cacher. On parle toujours de M. Moïse Katumbi. Simplement dire, passionnant les débats, je ne connais pas M. Moïse Katumbi. On s'est vu une fois, c'était aux obsèques du président Étienne Tshisekedi. On s'est parlé vite fait, voilà. Donc, je suis simplement triste de voir que une loi comme ça, conçue simplement pour l'écarter du pouvoir, alors qu'il La peut être loi. un monsieur plein de potentialités. Tout ce que je dirais, ce n'est pas la loi, c'est la volonté politique. Tout ce que je dirais, en fin de compte, c'est que vive la République démocratique du Congo, vive les Congos.
Amen. Alors, il ne me reste plus qu'à dire grand merci à vous tous et à la prochaine. Voilà que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, chers invités. Et vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin, nous vous remercions que nous serons toujours avec vous jusqu'à la tenue des élections pour vous donner de l'information à la source. Depuis New York City, c'est votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, sur Makolo Digital Radio-Télévision, la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. En attendant, ciao!